1903, Montréal est une ville industrielle et ouvrière d'environ 300 000 habitants. Le théâtre professionnel montréalais d'expression française existe depuis à peine 10 ans et sa première vedette se nomme Blanche de la Sablonnière. Le premier théâtre construit pour le divertissement en français, le Théâtre National, a ouvert ses portes au Faubourg Amelas en 1900. Bon, mais vous voulez savoir où je suis née? À Montréal, dans le Faubourg Amelas. Mon père s'appelait François Ouellette et ma mère Joséphine La Santé. Les parents de Rose s'établissent au Faubourg Amelas. Dans les quartiers ouvriers de l'époque, les logements sont souvent insalubres. Pour 1000 naissances, environ 260 enfants, plus du quart, meurent avant d'atteindre leur premier anniversaire. Ma mère a été très, très courageuse. Mais elle en a eu 21. Et sur ça, elle en a réchappé 4. Puis 4 filles. Anne Moïse, qui était son nom, Blanche, Andrea, et puis le diable, eh bien, moi j'ai vécu. Elle m'a réchappé. Mon père était barbier. Quel bon garçon. Mais il y avait un petit défaut. C'est bien beau prendre un petit verre, mais il faut savoir le prendre. Mon père est décédé la veille de Noël. Et là, pour nous sauver, il fallait qu'elle fasse quelque chose. Alors, elle nous a placés, et après, elle s'est trouvée un emploi. C'est drôle de vous dire ça, mais c'était justement au Monument national qui existe encore sur la rue Saint-Laurent. Pensez pas qu'elle était d'un office, hein? Non. Elle avait les planchers. On était pauvres, bien, bien pauvres. Le vendredi, là, dans le temps, il y avait le marché Bon Secours, hein? En bas, en face de l'hôtel de ville, là. Et puis, là, des fois, j'allais avec elle. Là, elle achetait, là, en regardant, hein? Puis, tu sais, des fois, ils mettaient de côté, les autres, des patates, des pommes de terre ou des oignons. Ils étaient bons, mais ils les prenaient pas. Alors, moi, je faisais semblant de rien. Puis j'avais le sac pour emporter, j'en mettais dedans, comprends-tu? Son deuxième mari s'appelait Joseph Baudouin, et puis il était peintre au Monument national. Elle a fait une bonne affaire, hein? J'ai adoré mon beau-père. Rose Alma fréquente l'école pendant 6 ans. C'est une élève tumultueuse. Plus intéressée à s'amuser qu'à se mettre doucement dans les rangs. Bon, ben, là, j'ai oublié la vérité. Enfin, j'étais mis à la porte de toutes les écoles que j'ai fréquentées. Alors là, ils nous forçaient pour apprendre à faire à manger. Une chose que j'avais aimé, ni encore. Alors, on avait tous des petits poils. Hein? Puis là, on l'animait. Mais moi, j'allais me noter. Plus fort la flamme à partir. Hein? Alors, il y avait du feu. C'était rimeuse, dans le fond, vous savez. Rose tente le marché du travail à l'âge de 13 ans. Elle travaillera dans une usine de chaussures, une fabrique de parfums et autres emplois divers. Mais il faut croire que son destin n'est pas encore au rendez-vous. Je trouvais que ça ne marchait pas. Hein? C'était, il fallait attendre à midi pour manger notre lunch, mais on descendait en bas. Là, moi, une fois, j'ai dit, oui, ben, j'ai dit, écoutez, les enfants, là, c'est plate le midi. Savez-vous quoi je vais faire? M'emporter mon accordéon, puis on va chanter. Ça s'est fait. J'ai emporté mon accordéon, et puis, ah, ben, ça chantait. Mais pendant ce temps-là, l'heure marchait pour qu'on recommence à 1 heure. Là, les petites filles, ils partaient, ils s'en allaient. Moi, je continue, je vois l'accordéon. Là, le boss, il est venu. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, j'ai dit, je travaille ici. Oui, mais tu travailleras plus. Ça fait assez longtemps. Il dit, dehors. À ce moment de la vie de Rose, c'est la grande guerre. 63 millions d'hommes sont mobilisés.
Les tournées américaines de burlesque à Montréal s'estompent et elles sont remplacées par des troupes d'ici. Cependant, les spectacles demeurent en anglais. Rose participe à sa première soirée d'amateur en 1915 au Wimettoscope. C'était la première fois que j'embarquais sur une scène. Là, il m'a demandé qu'est-ce que tu vas chanter. Puis j'ai dit, maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous chanter une chanson qui s'appelle « L'Angleterre et la France, le Canada ». Là, tu peux finir là-dessus. Puis là, quand j'ai salué, il m'avait dit de sortir. Je sors, j'ai pas été capable, ils m'ont rentré sur scène. Parce que le monde a plus ça. Avec tout ça, j'ai gagné le premier prix. 5 piastres! Toujours que ma tante Mathilde, elle gardait toujours l'argent, parce que pour pas que ma mère le sache. Mais un beau matin, la femme d'à côté a dit, Madame Baudouin, c'était le deuxième nom de ma mère, il dit, qu'elle chante bien votre petite fille. M'a dit, comment va ça? Ça va l'asseoir, oui, elle est assez tannante. Non! Elle dit, je l'ai vu chanter hier soir. Hier soir? Oui, elle dit. Elle dit, vous? Elle dit, au théâtre, au Wimettoscope. Ma mère a dit, viens ici. Là, je suis découragée de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma fille. Elle a fait venir le prêtre pour me parler. Puis moi, j'ai dit au prêtre, vous avez voulu faire un prêtre, moi je veux faire une chanteuse. J'étais pas encore professionnelle, mais la tête de la petite toilette, ça va que ça sent bien. La seule vraie bonne, c'est toi. Ouais, si tu veux, ça va. Il y en a pas d'autre. Ah, je suis bien contente. Le théâtre burlesque, dans lequel Rose amorce sa carrière, est un spectacle de variété. On y trouve danse, musique, mélodrame, acrobates, magiciens et surtout des comédies. Sais-tu, je pense à une chose, là. Je te regardais la semaine dernière, là, tu t'en allais chez Mont Royal et tu courais. Ah oui, je courais. Mmh. Ah ben, il y avait un maniaque sexuel. Et tu courais après lui? Ben non, j'essayais de le rattraper. En fait, le théâtre burlesque moulera Rose à son image. Ben oui, je t'en ai vu l'autre jour, tu l'avais serré sur toi. Je te l'ai serré. Ben oui, tu l'aimes. Tout d'un coup, il y a un gars, il voulait faire son fesse. Hein. Ouais. Il dit, j'aimerais donc ça être à la place du chien. Ben, je serais bien à marcher, mais on va y faire couper un cul. Tout le monde est bonne humeur. Il a tellement fait du théâtre, surveillé par toutes les annonces, puis on va y donc. Tout d'un coup, je tombe là-dessus, qui demandait des acteurs pour la grosse revue de M. Bergman. Là, au Théâtre national, je regarde Théâtre national, ici. Je rentre. Mon ami et moi, là, Juliette, on a rentré puis on était engagé pour 4 piastres. Faut vous dire que toute ma famille est venue pour voir mes débuts, hein. Demandez pas, hein. Puis là, quand la pièce était finie, ma mère m'attendait dans l'entrée. Mais tu veux-tu me dire ce que t'étais? Ben, maman, c'est moi qui faisais la vache. Les spectacles de burlesque sont populaires auprès du public francophone. Quelles sont les vedettes de l'époque? Arthur et Juliette Pétry, Juliette Béliveau, Caroline Dargère et bien sûr, Olivier Guimond, père. Tout comédien se donnait un nom pour que ça soit plus drôle. Par exemple, Cizone, Macaroni, Bozo. Vous savez, il y avait chaque comique avait un nom. Faut pas oublier de vous dire que mon premier nom de comédienne, c'était Corserolle. Cézanne le père, d'abord, il savait tout faire. Acrobate, chanteur, il jouait la musique à bousse. Il n'y a pas de choses qui faisaient pas. Pot, pot, pot.
Ben voyons, on crée plus de gaz. Ce visage qu'il avait, ce rire, c'était merveilleux. La première comédienne qui jouait avec lui, c'était Germaine Lippé. Un soir, elle a glissé parce qu'elle s'est cassée la jambe. J'ai dit, je sais tout son rôle. J'ai embarqué sur la scène. Puis, je voyais par ses yeux qu'il trouvait ça merveilleux, tu sais. Après, on saluait toujours l'applaudissement, tu sais. Alors, quand j'ai arrivé en bas, M. Guimond dit, c'est fait. C'est fait. On a une grande comédienne. On a préparé un spectacle qui s'appelait Bellecourt, la revue des revues. C'était pour le théâtre impérial à Québec. Sur l'affiche, à côté du grand maître qui était Tizune, on voyait des petits points rose-voilette. Ça ne lui m'a pas du tout. Rose-voilette puis Tizune, il en manquait. Il dit, vous allez vous appeler Lapoune. Lapoune, oui. Lapoune et Tizone. Puis c'est là qu'il m'a donné ma baille. En 27, il y a eu le gros feu, l'incendie au Palais Laurier. Le théâtre était pacté quand l'incendie a commencé. 78 enfants sont morts. Puis après ça, ben, vous comprenez la loi, à former du théâtre, hein? Et puis, pour pouvoir donner de l'ouvrage, ben, les directeurs, ils déplaçaient les troupes, tu sais, Québec, Trois-Rivières, n'importe où, pour essayer qu'on ait de l'ouvrage. En 1928, M. Lowen nous a engagés pour travailler au théâtre Quartier Saint-Rémy à Montréal. C'était l'ouvrage. On partait du théâtre Cartier. On allait faire une présentation au théâtre Dominion. Là, on prenait le taxi pour aller faire l'autre présentation au théâtre Saint-Henri. On charriait les décors avec nous autres. Et pendant 8 ans, j'ai fait 15 représentations par semaine. En 1928, j'ai commencé pour enregistrer des disques. J'ai signé un contrat avec M. Joseph de RCA Victor. C'était beau. On payait 25 $ par chanson. Avec RCA Victor, j'avais pas le temps de chômer. Après que j'avais fini, il disait « Very good, Miss Ouellette. » Le 24 octobre 1929, les prix des actions de la Bourse de New York s'effondrent. La crise économique durera 10 ans. Malgré la crise économique des années 30, le théâtre burlesque va connaître l'apogée de sa popularité. Mais cet âge d'or n'est pas payant pour les artistes. Le prix d'entrée pour un spectacle en 1929 est de 50 cents. En 1930, il est de 20 cents. Cette baisse des prix entraîne la réduction de leur cachet et la disparition des lignes de filles, mieux connues sous le nom de chorus line. Mais à ce temps-là, je portais des lunettes, un petit jumper, une petite blouse blanche, et puis j'avais des petits pantalons qui dépassaient mon jumper. Et puis j'avais mon petit chapeau blanc. Rose Ouellette a besoin d'une chanson pour ses entrées sur la scène. La Faute à Popin, la chanson fétiche de Lapoune, devient sa marque de commerce. C'est pas de ma faute, c'est ta faute à mon papa. Lapoune a sa chanson et son costume. Elle va maintenant trouver son public. Ce sera l'apogée de sa carrière. Faut vous dire que j'ai joué au Théâtre National pendant 17 ans. Ben, je vais vous montrer hein, comment c'était connu. Hein. Ben, quand le tramway arrêtait, le conducteur criait,
Ici, c'est la Paune. Terminus, tout le monde descend. Dans la troupe au Décédan, je peux vous nommer des artistes que j'avais. Juliette Petri, Aline Duval, Lucienne Narbonne, Renaldo, Paul Desmarteaux, Raoul Liri et Paul Ebert. Beaucoup de comédiens, même des artistes de drame, ont joué au Théâtre national. La grande Jeanne de Mons, Simone de Varennes, il y a eu Pierre Thériault, Jacques Normand, Aurore Alice, Hector Pellerin et Léo Rivet. J'ai connu la grande Alice Roby. Là, elle est arrivée au Théâtre national à 13 ans. Alors, j'ai demandé à son père si elle pourrait venir à Montréal au Théâtre national. Et il m'a dit, vous savez, pour vieille, hein? J'ai dit, laissez faire la vieillesse, c'est la voix que je veux. Je suis arrivée au théâtre, puis j'ai dit, Madame Ouellet, je m'en viens travailler dans votre troupe. Elle dit, je suis heureuse de l'apprendre. J'ai dit, comment de l'apprendre? Mais j'ai dit, vous m'aviez dit de venir vous voir au Théâtre national si je venais à Montréal. Alors j'ai dit, je m'en viens continuer ma carrière. Puis elle m'a acceptée. Des millions de spectateurs iront au National de 1936 à 1953. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Pour la somme de 20 ou 25 cents en soirée, le spectateur a droit aux films d'actualité, à des dessins animés, à deux films, et le spectacle de la troupe de la Paune, c'est-à-dire un peu plus de 4 heures de divertissement. Quand le spectacle commença, le rideau leva sur une grande ouverture, un beau décor. Là, les acteurs faisaient leur petit numéro. Il y avait ceux qui dansaient, ceux qui chantaient, et puis là, ça finissait. Ils chantaient tout ensemble, le rideau baissait. Après ça, on avait une petite intermission. Là, après, on commençait un petit mélodrame. Dans le mélodrame, c'était deux artistes que j'avais engagés spécialement pour ça. Après ça, là, tout de suite, après ça, là, on avait un autre chanteur, danseur. Dans ce temps-là, ils appelaient ça une spécialité, je ne sais pas pourquoi. Au lieu de dire un chanteur populaire ou quoi que ce soit, on appelait ça une spécialité. Je chantais à la fin de la première partie. Et puis, Mme Ouellet, dans le contrat, c'était bien stipulé qu'on devait vendre des programmes. On devait descendre dans la salle, puis vendre des programmes qui se vendaient 10 sous dans le temps. Le programme souvenir dans le genre de celui-ci, dont on voit Mme Ouellet sur le dessus. On descendait dans la salle, puis on disait, programme souvenir, 10 cents. Et puis, c'était la grande comédie. Il n'existe pas de film de l'époque pour nous montrer la troupe de la Paune à l'œuvre. Mais nous pouvons en avoir une idée grâce aux numéros qui ont été tournés au fil des ans. Ah, merci beaucoup, vous m'avez reconnu, je pense. Look at this, look at that, what do you think about that? Hey, c'est-tu des belles Paunes? Un applaudissement. Pendant que la Seconde Guerre mondiale secoue les quatre coins du monde, Montréal devient une plaque tournante des activités militaires des forces alliées. Les artistes de vaudeville divertissent une nouvelle clientèle. Ce qui attire les gens au national, c'est le rire. La première qualité requise, c'est le sens du timing, de l'à-propos en bon français. Il faut dire la bonne réplique au bon moment et il faut aussi savoir quelle mimique faire en même temps pour en donner tout son sens comique. Alors naturellement, je me dirigeais vers elle, je lui adressais la parole. Enfin, nous parlâmes quelque peu, nous discutâmes de choses et d'autres. Il y en a des rames là-dedans, non? Et nous décidâmes d'un commun accord d'aller nous sustenter. Admettez! Je m'injecte!
Il a dit, nous décidâmes de nous sus. Il a dit, sustenter, votre honneur. Se sustenter, c'est aller au restaurant et manger avec des sustensiles. Non seulement Rose est l'une des premières directrices de théâtre au Québec, mais elle est également l'une des pionnières de la place des femmes sur le marché du travail. Pendant 17 ans, elle dirige le National et elle y présente près de 10 000 représentations. Être directrice, ça me faisait plaisir, mais c'est de l'ouvrage, vous savez, parce qu'il faut toujours être à point pour que le spectacle, le public l'aime. Il fallait que je pense au spectacle. Il fallait faire les répétitions, préparer les costumes, les décors, la musique. Enfin, j'avais tout. C'est moi qui dirigeais tout ce qui passait au théâtre. Hey, restez-vous là, on va venir à Sacré-Champagne. On est pas venant du Réno, 76 ans. Fait qu'après la répétition, ça me donnait une petite chance de prendre, pas un petit verre de ginger, une petite bière. C'est ça. Tu m'as bien enduré pareil, hein? Pareil, bon, eu du plaisir. Ah, on avait bien du fun. Mes enfants. T'as bien dit quand tu me pognais dans la couille, t'as bien dit. Quand les gens venaient faire une visite à Montréal, ils disaient, où est-ce qu'on va? Ah, moi, je vais au National. Et j'étais allé passer l'hiver au Collège Stanislas, et là, on m'avait dit, il y a une actrice populaire canadienne qui est la Poune. Alors, à ce moment-là, elle jouait dans un théâtre qui était dans l'est de Montréal, on prenait la rue Sainte-Catherine, rue Sainte-Catherine-Est. Je me souviens, un jour, elle m'a représenté un salon parisien. Je ne sais pas pourquoi il y avait dans sa pièce. Et alors, elle s'est amusée à jouer le rôle d'une maîtresse de maison parisienne. Et elle faisait ça avec un très grand naturel. Il s'en était suivi une correspondance entre les deux. Et quand Robert Bourassa, alors premier ministre du Québec, fut reçu à l'Élysée, le président lui demanda « Et comment va la Poune? » Mais vous savez que le gros public, c'était la classe ouvrière. Vous savez, les gens de la haute, des fois, ils voulaient voir la Poune, mais ils voulaient pas se faire voir. Mais moi, j'avais un œil. Des semaines de temps au Théâtre National. Et puis je l'ai quitté en 1953. Dans ce temps-là, ben, la télévision a commencé et puis les gens voulaient la regarder. Alors des fois, je commençais l'ouverture, il était 10-12. Et puis quand je finissais, on était seulement avec Mme Pietri et moi pour dire comme joke. C'était le temps de passer à autre chose. Jean Grimaldi aimerait bien que Rose Ouellette monte sur les planches de son théâtre, le Radio Cité. Elle participe à de grandes productions en compagnie des vedettes de l'heure telles Charles Trenet et Rina Ketty. Jean Grimaldi invite ensuite Rose à faire une tournée. J'ai jamais aimé la tournée. Jamais. Alors, j'ai fait le tour du Québec jusqu'en Gaspésie. J'ai été à la pêche. Oh, que j'étais donc contente. Seule femme, vous savez, quand vous voulez que quelqu'un prenne la pêche, je n'y vais pas. Moi, c'est mon rêve, pêcher. Mais bien entendu, hein, le poisson. Pour Rose, qui a maintenant 51 ans, une carrière s'amorce. Celle des cabarets.
Là, là, on va parler de quelque chose de gay. Imaginez-vous que j'ai commencé ma carrière au club de Nice avec Juliette Petrie. On était là pour juste 2 semaines, puis on a fait 6 semaines. Mais un soir, Juliette avait toujours petit, des grands chapeaux avec des plumes, puis des trucs. On rentre pour faire notre numéro. D'un coup, moi, je dis, qu'elle avait un grand, grand chapeau. Tu dis, ça sent le feu. Que c'est ça? Ben, tu, je me demande, en disant, je me demande, la cigarette tombe sur le stage. C'est le gars qui était pacté en avant. Il a acheté sa cigarette. Puis elle a tombé dans son. Oh, ben, non! C'est, vous pensez fait. Puis vous êtes pas fait. J'ai dit, mesdames et messieurs, notre comédie est maintenant finie, puis on a sorti. Comme partenaire, théâtre, n'importe où, c'était Juliette Petrie. Chapeau, Juliette, parce que elle était quelqu'un. La vote! Que t'as crié comme ça, on pense pour des quétaines, là. Qu'est-ce que t'as? J'ai affaire à te parler bien sérieusement. Encore? Là, mais là, c'est différent. Ouais. Là, ma fille, c'est une séparation que je viens d'avoir avec ton père. Oh. Avec papa? Mon petit papa! A eu. Ça va faire? Mon Dieu, ça va me faire de la peine. Oh. Quand c'est fini, c'est tout. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Prends-tu ça pour une clôture? Je voyais que la broche descendait, monsieur. Au début de la télévision, les artistes de votre ville sont boudés. Les dirigeants de la télévision d'État de l'époque les perçoivent comme des gens vulgaires et insipides. Les vedettes du burlesque ont bien du mal à prendre l'affiche sur le petit écran. La première fois que j'étais à la télévision, c'était à le petit café. C'était coupé avant que j'aie le temps de parler. Tout ce que j'ai eu le temps de faire. Bye bye, les amis. Et puis en 1967, il y avait un petit jeune qui s'est mis dans l'idée d'ouvrir le théâtre des variétés. Puis ce petit jeune-là, c'est Gilles Latulippe. Alors, il y en a une ici qui, oui? J'aime beaucoup, moi aussi. Qui, non? La Rosa, ça se peut pas. Comment ça va, là? Ah, tu m'appelles vite bonheur. La relève. Tu parlais de relève, là? Lève-la, la relève. La relève. Ah, non. Quand j'ai joué, là, au théâtre des variétés, là, j'ai trouvé mon vrai public du théâtre national. Celui que j'ai travaillé avec lui, le plus d'années, 15 ans tous les deux. C'est toi, lui. Ça, ça rime. Quel camarade. Ah. Bon, justement, c'était si bonne que ça, comme une phrase avec des O. Une phrase avec des O. Tu regardes, ma soeur s'est fait piquer par un barbeau, par un gros bobo. Moi, ma soeur, elle s'est fait piquer par un matelot, avait pu attacher son manteau. D'accord.
Au cabaret, on faisait deux choix chaque soir. On pouvait travailler 6 soirs par semaine. Des fois, on enchaînait plusieurs engagements de 7 jours par semaine. Et le vendredi, samedi, dimanche, on faisait 3 shows. Alors, ça faisait 9 shows en 3 shows pour la fin de semaine. Et souvent, on recommençait le lendemain, tout en se rendant dans une autre ville. Et mais Rose, pourtant, elle était assez âgée. Elle avait 75, 78, 80 à l'époque. Puis, ça n'a pas l'air à la fatiguer. Il savait m'encourager. Puis le show, le show marche avec qui? Louis Armel et la poudre. C'est beau, hein? C'est du cabaret, ça. Peu de gens savent que Rose Ouellette a fait du cinéma. Et puis c'est là que j'ai tourné avec Jean Coutu dans L'Apparition. Et en 1974, on m'a demandé de jouer dans la pièce. Un jour, ce sera notre tour. J'avais beau avoir 50 ans de métier, il fallait que j'apprenne le texte. Alors là, je me suis dit, Lapoune, t'es capable. Mais je suis pas fier sur personne. Mais se risquer, et puis, ça a marché. L'année suivante, le spectacle de la Saint-Jean a lieu sur le Mont-Royal. Pour l'occasion, on fait appel au tandem avec le plus d'expérience sur les scènes québécoises, Juliette Pétry et Rose Ouellette. En 82, j'ai joué dans ma première série télévisée. J'étais la mère de Marcel Marie Monod. Et ça, c'était un rôle qui était joué par Fernand Signac. C'est dans ce rôle-là là, que je devais marier M. Pinson, Camille Duchamp. Et là, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas été chanceuse. Mon grand ami Camille est mort avant que j'aie pu y tenir la main en joie. On faisait l'émission et toujours dans la gaieté, même s'il y avait quelqu'un de mauvaise humeur sur le plateau, juste avec elle, on tout revenait à la normale, si vous voulez. Et puis après chaque émission, ben, on allait prendre une petite bière ensemble. Elle aimait bien prendre juste une, par exemple. Elle disait, on va aller prendre une petite bière ensemble. On traversait l'autre côté de la rue, puis on prenait une petite bière. En 1982, ben, j'ai fait le bye-bye. Figurez-vous que j'ai joué le rôle de Itchy. Itchy! Téléphone, mes amis! Je pense que c'est un Mexicain. Je pense pas. Y aurait pas de chaud. Itchy, téléphone, mes amis! Et dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de théâtre d'été. Mais un que j'ai bien aimé, c'était M. Gamache. Un homme très bien et qui comprenait ses acteurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans l'histoire ancienne et contemporaine, plusieurs femmes se sont illustrées dans leurs domaines respectifs. Pour n'en nommer quelques-unes, mentionnons Jeanne d'Arc, Evita Perron, Marie Brizard, la veuve Sévéry, Laura Saccard, Marie-Antoinette, Lise Payette et Rose Lapoune. Voilà. Et puis, après ça, j'ai signé pour partir en tournée avec la troupe de Normand Gilbert. J'ai fait 45 villes. Je me marie pas, moi. Je fais une seule. C'était le titre de la pièce pour vous en faire. Elle avait, Rose, et ce qui est très, très rare, il y a très peu de comédiens qui ont ça. Tu as beau avoir une carrière extraordinaire, atteindre les summums de la gloire et tout, mais c'est que Rose avait une cote d'amour auprès du public. Et ça, c'est... Il y en a très peu. Tu peux être très, très connu, mais le public peut te respecter. Mais t'aimer, c'est autre chose. Les gens me demandaient, quand je passais dans la salle, « Quel âge qu'elle a, Lapoune? Quel âge qu'elle a? » Je disais, « Elle ne veut pas le dire, elle ne veut pas le dire. Mais dites-nous le don, dites-nous le don. » Ah, des fois, je le disais, évidemment. Mais il vieillissait, parce qu'il disait, « Mais ma grand-mère l'a vu, ou bien ma mère l'a vu. » Mais il vieillissait. Je disais, « Mais non, elle a à peu près 72, 73 ans. » Ah non, elle ne voulait pas dire son âge. Oh non. Je me souviens une fois, on était, je sais pas, on avait été avec une amie, on avait été chez quelqu'un. Puis quoi, rencontre quelqu'un, un monsieur d'un certain âge. Ah, bonjour, ma poune, bonjour, la poune. Je me souviens, je vous ai vu, moi, à Québec, en. Elle dit, c'est ça, tu m'as vu avec Champlain. Oui, oui. Elle n'aimait pas ça.
Je me rappelle à Bathurst, par exemple, il y a des gens qui sont venus voir Rose Ouellette pour toucher à Rose Ouellette et en même temps de dire, Madame Ouellette, on a fait 300 000 pour venir vous dire bonjour, pour venir vous saluer. Et quand tu entends ça, tu dis, c'est extraordinaire. C'est quoi? Où elle va chercher ça, cette force-là, cette capacité-là d'aller chercher, de rejoindre le cœur des gens, parce que c'est par le cœur que les gens vont t'aimer, s'il n'y a pas d'autre façon. Pour une femme de 82 ans, c'est pas si mal, ça se passe. Le 18 janvier 1990, ses compatriotes l'honorent lorsque le premier ministre Bourassa lui remet l'Ordre du Québec. Quelques mois plus tard, Juliette Pétry et Rose sont intronisées au Panthéon international de l'humour. J'ai voulu prendre ma retraite à 90 ans. Alors je me suis dit, la poune, tu vas garder ton nom, mais tu vas te retirer tranquillement en remerciant bien tous ceux qui ont bien voulu faire de toi la poune. Pour bien comprendre la carrière de Rose, nous devons garder en tête quelques chiffres. 75 ans de vie d'artiste, des dizaines de milliers de spectacles, des millions de spectateurs à une époque où les gens doivent se déplacer eux-mêmes pour se divertir. Rose peut bien jouir d'un repos bien mérité. Cependant, quelques semaines après avoir abandonné les feux de la rampe, Rose se trouve sous un nouvel éclairage. Qui osera lui résister? La rousse est douce. OK, on regarde la caméra et on marche dans le « en douce ». La rousse est douce. La rousse est douce. Est douce. Ouais. Plutôt que « est douce ». Non, non. Hey, c'est fini cette affaire-là. La poune, en s'accaparant les attributs comiques masculins, telle la débrouillardise, l'humour physique, la logique un peu tordue et l'aspect moqueur, a réussi à se créer un personnage. La poune est petite, sans instruction, mais elle est énergique. Et son intelligence lui permet de déjouer des personnages que l'on suppose plus imposants qu'elle. Rose a joué au féminin des rôles conçus pour des hommes, en renversant le rapport traditionnel dans lequel l'homme profite du rôle plus important de comique, alors que la femme sert de faire valoir. En réussissant ce renversement de rôle, la poune devient un personnage dans lequel les gens se reconnaissent. Tu vas voir? Mais là, tu m'enlèves toute mon inspiration en fait, des séries. Oh, t'as pas besoin de ça, t'es inspiré à l'année, toi. Maudit, c'est pas une femme, c'est une jument.
ou la chante, il n'y a rien qui me perturbe. C'est pas ma peau, je suis venue au monde comme ça. C'est pas ma peau, c'est de la peau à mon compas qui m'a donné le vrai moyen sur mon chemin faire des bécailles. Pour Madame Ouellette, une chose, j'étais content, c'est qu'elle n'a pas raté sa sortie. Mais disons que c'est le lot des grands comédiens, des, comme je le disais tout à l'heure, des phénomènes, d'un grand monument qui était Mme Rose Ouellette Lapoune. Puis Mme Ouellette, je ne l'oublierai jamais parce qu'elle est demeurée une de mes amies pour toute sa vie. Et la mienne, jusqu'à date, elle sera toujours ma grande amie. Quand j'avais un conseil à demander, elle avait une grande sagesse, Mme Ouellette. Je l'ai toujours appelée Mme Ouellette. Je ne l'ai jamais appelée Lapoune. Si je fais mourir mon petit boyau en trois carnales, si j'ai tout ci, si j'ai tout ça, c'est la faute à cause. Et j'ai encore beaucoup plus d'admiration pour Rose dans le sens que c'est pas la télévision qui lui a donné ça, c'est pas la radio qui lui a donné ça, c'est le fait d'avoir été sans doute de cabaret en cabaret, de rencontrer le public après les représentations comme elle faisait dans les clubs. Alors à ce moment-là, c'est ça, elle est allée chercher cet amour des gens-là et elle était entière. Si j'ai tout ça, c'est la peau de la pompe. Et je me souviendrai d'elle comme une grande comédienne, une personne humaine qui a rendu beaucoup de gens heureux, surtout les gens du peuple. Et je dis bravo, Mme Rose Ouellette Lapoune. Bravo. Je pense qu'au départ, il devait y avoir une différence entre Rose Ouellette et Lapoune. Maintenant, je pense que c'est Lapoune qui vit et Rose Ouellette s'est intégrée.